La béguine, pour moi, c'est bien évidemment avant tout la tradition. C'est les couleurs, c'est les éléments chatoyants, c'est la vie de Saint-Pierre, c'est le carnaval, c'est l'ivresse. La béguine, c'est une des musiques traditionnelles chez nous. Je veux dire, bon, en dehors du belay qui est purement bon, la racine même de toutes les musiques de chez nous, je veux dire, la béguine, c'est une des déclinaisons. C'est quelque chose qui me touche. C'est un style musical et un style musical qui ne doit pas mourir. On est quand même des spécialistes hein, dans cette partie du monde. Le reggae, la salsa, le zouk, la béguine. Enfin, quelle musique on n'a pas inventé par ici hein. Depuis Maurice Cultier, Alirva, Alain Jean-Marie, Mario Canonge, tous ces gens-là ont puisé dans la béguine. Il y a même un morceau d'ailleurs d'Alirva qui s'appelle « La béguine, c'est à nous ». Parce que la béguine, c'est nous. C'est peut-être la béguine qui a précédé le jazz. Si tu vois la colonisation et puis le fait que le traite des esclaves, Martinique était un pôle assez important de dispatching des esclaves qui allaient soit aux États-Unis ou qui allaient dans les îles anglaises. On retrouve que cette musique s'est diffusée un peu et distillée dans le monde, mais interprétée différemment. Parce que la béguine, pour moi, c'est du jazz. Hein. Pour moi, béguine et jazz, c'est la même chose. Hein. C'est le jazz exprimé sur ce territoire. Je me rends compte du champ des possibles immense qui existe quand on parle de jazz. Après, je sais que c'est un terme un peu flou. Mais en tout cas, pour ce qui est du jazz de chez nous, le Caribbean jazz, le jazz créole, je me suis rendu compte, waouh, on peut être martiniquais dans tout ce qu'on va faire. La Martinique, c'est nous. C'est nous. Dès que nous, on fait quelque chose, il y a la Martinique dedans. Mais je ne vois pas pourquoi on parle de béguine jazz. La béguine, c'est du jazz. Alors ça, c'était Marius Cultier. La béguine est une danse martiniquaise qui se danse surtout avec les hanches. Le danseur Poulet va vous la présenter telle qu'elle se danse à la Martinique. En tant que délégué de la SACEM, j'ai participé à beaucoup de festivals de jazz ici. Et puis un jour, je me suis dit, au moment où on faisait venir des jazzmen américains, mais pourquoi ne pas développer le jazz antillais, que nous avons appelé « begin jazz », ça veut dire « commençons le jazz », mais ça veut dire « la begin et le jazz ». Ce festival-là est très bien. Si on avait fait un simple festival de jazz, eh bien, on serait un peu comme partout. Alors que là, le begin jazz, ça a au moins cette originalité-là. Un festival de jazz, c'est un de plus. Un festival de begin jazz, ça c'est chez nous. C'est là que l'idée est venue à Jeunes y Productions, enfin Thomas, notamment Emmanuel, ils ont eu l'idée de faire une résidence de création et de porter un projet original. Cette année, nous avons décidé d'organiser une résidence artistique de 8 jours à Fort-de-France avec 8 musiciens, tous issus de la scène caribéenne antillaise. Nous avons choisi ces artistes-là en particulier parce qu'ils représentent une nouvelle génération en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les artistes, on a discuté avec chaque artiste. On est allé chez chaque artiste. Avant de les rassembler, bien sûr, ils avaient tous la même façon de penser, la même envie, en tout cas, aujourd'hui. On a vu dans les yeux des gars, hein, c'était tellement important pour eux de se réunir et de travailler ensemble. Pour ma part, j'ai jamais joué avec Ralph Lavital, donc on est deux guitaristes sur le poste. C'est vrai qu'on a peu d'occasions de se rencontrer. L'objectif était de revisiter des titres emblématiques de la musique antillaise et plus particulièrement des standards de la béguine, accompagnés d'un titre international revisité au rythme de la béguine jazz et d'une composition originale. Le résultat sera présenté en fin de résidence au public lors d'un concert se tenant à la Palouza, au François, en Martinique. On s'approprie les morceaux, mais on décide de partir en direction pop. D'un truc différent, là, créer un nouveau style aussi peut-être, tu vois. En fait, il faut carrément, j'ai envie de dire, changer de registre, clairement marquer une scission. Là, maintenant, c'est, voilà, on le fait de cette manière. Il ne faut même pas qu'on se focalise sur le style. Parce voilà. Que vous, chaque, là, individuellement, vous avez déjà un truc voilà. Qui va ramener quelque chose de... Mmh. Tu vois. Si on arrive à déterminer une direction, peut-être qu'on va se défaire de la version originale, qui parfois est très dans l'oreille, et on a du mal à se défaire de ce qu'il y a, tu vois. Je pense pas que ce soit nécessaire de se prendre la tête sur
pop jazz. L'important, c'est ça groove. Ouais. Voilà. Les gens aient envie que les gens. Après nous, on va pas partir trop loin dans nos connaissances. Et ma question, c'était est-ce que vous connaissez déjà dans vos mains, dans vos oreilles, des morceaux standards antillais que vous voulez faire, qui sont pas dans la liste? Je pense que quand il disait standard, j'ai plus l'impression qu'il allait vers un standard Cantaloupe Island, mais faire la sauce antillaise. En fait, le truc, moi, je pense, les gars, vous vous prenez trop la tête, là, déjà. Non. Vous prenez trop la tête. Il faut vraiment qu'on joue. Il faut penser au public dans la conception du truc. Il faut beaucoup penser aux gens qui seront devant nous. Voilà, et puis compte tenu du temps qui nous a imparti, là, tu vois, on a quand même on a moins de 7 jours pour ça. Je pense que c'est mieux, quoi, tu vois. Et puis, c'est pas pour rien que les gars nous ont rassemblés, quoi. Tu vois, on a tous un truc en commun, mais en même temps, un truc différent qui fait qu'on peut ramener quelque chose. Bon, bah, demain. J'ai les papillons, je suis vraiment excité, j'ai hâte, parce que c'est la première fois. Là où nous sommes là, en 1895, Alexandre Stelio a 10 ans et puis avec ses petits copains, il vient se baigner ici là, à l'Anse du Four. C'est extraordinaire. Comme beaucoup de jeunes, il joue de la flûte. On va lui offrir une clarinette et c'est là que ça change tout. Pour lui, rapidement, il va savoir jouer. Parce que la clarinette, c'est un instrument difficile, comme le violon, comme la trompette. Stelio, ça a été la base, je pense. En tout cas, une des bases. Sur le plan mélodique, ça a été la base. La Martinique a produit des hommes extraordinaires. Il y en a plein, aussi bien dans la politique culturelle, tout ça, des hommes extraordinaires. Mais Estelle, c'est un cas, parce que lui, il a véhiculé un patrimoine musical. C'est ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire que j'entends ses pambègues et j'ai, toute mon enfance me remonte au nez comme la moutarde. On joue le morceau tel qu'il est, et dès qu'on arrive, tu vois, sur le pandap, papapanapapanapanap, là on le place, tu vois. Essayons le rock d'abord, parce que c'est plus, tu vois, c'est plus décalé, c'est plus intéressant. Enfin, moi je trouve. Mais peut-être, reprenons du début déjà, peut-être, pour voir la cohérence du truc. On s'y attend pas que ce soit la basse qui commence. C'est toi qui sens, mais en fait ce que j'aimais bien c'était le côté d'avoir les deux rimes shot ensemble, ça donne un... C'est peut-être avec Redemption Song l'un de mes morceaux préférés au monde. Voilà, c'est pas Meg, c'est mon ancrage. Depuis quelque temps, il avait un problème. Et comme beaucoup de soufflants, de pommes de cœur. Mais comme il est musicien, il fallait jouer tout le temps, il fallait qu'il assure l'alimentaire, il faut qu'il vive. Il s'est peut-être négligé. Et un soir, à la rue de la Huchette, en pleine prestation, il tombe. Alexandre Stelio est terrassé sur scène par une crise cardiaque le 27 juillet 1939. Telle une étoile, le cordonnier de Fort-de-France a illuminé de son talent tout un pan de l'histoire musicale de la Martinique. En tout cas, son souvenir et sa mémoire, elle vit tous les jours à la Martinique. Entre-temps, il avait enregistré, il n'a pas eu le temps d'écouter une des plus belles mazurkas qui existent, Tissitron. Tam, 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 tam. Assez vite, on arrive chacun à trouver notre place, chacun propose, on crée ensemble, on crée réellement ensemble. Voilà, il y a un manque d'énergie, il n'y a pas de fil conducteur, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois ? Vaut mieux l'anglais. Je suis vraiment honoré de pouvoir apporter avec les copains un peu notre sauce
à ces titres et les réarranger à notre façon. J'ai pas noté la structure exacte, hein, mais je sais qu'il y a des petites subtilités quand même. Chacun prend sa place assez naturellement, il n'y a pas du tout de jeu d'ego. On a tous 20 millions d'idées, mais en même temps, on se les confronte sans vraiment les hiérarchiser, donc on essaie vraiment de rassembler tout à parts égales. Quand on se retrouve, il y a toujours cette humilité, et cette notion de respect, et qui fait aussi qu'on va toujours, voilà, et qui devient finalement une amitié, qui fait que quand on va bosser ensemble, on va tous se planter. Faut te laisser juste Joey exposer son truc, Maher. Voilà, c'est ça. Et après continuer, parce que revenir sur notre solo. Question pour voir comment ça fonctionne, parce que. Ouais. Eh ben ouais, c'est parti. Les répétitions ont commencé par de l'amusement parce qu'on aime triper et s'amuser, donc on jam, on commence comme ça. Et puis après on se dit, allez, il faut qu'on travaille, donc on s'arrête de jammer, on sort un titre de la liste et celui qui connaît la mélodie commence à la jouer. Et puis voilà, et là ça commence, les batteurs se mettent en place et disent, il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Et si on essayait ça, ceux qui ont en charge l'harmonie, c'est-à-dire les guitares, Yann, Ralph et moi, ben, on essaie de mettre des couleurs avec Stéphane aussi. Chacun un petit peu à sa zone de prédilection. Il y a de l'écoute, il y a de l'empathie aussi. Il y a une espèce de cercle très vertueux entre nous pour créer ensemble sans qu'il y ait aucune frustration. Tout le monde participe. Thomaline, pour moi, c'est une vieille dame que j'ai connue quand j'étais enfant, qui était au Diamant, dans la rue derrière. Et tout le temps, je me demandais, mais quelle a pu être la vie de cette femme qui est toute seule? Et je trouvais que ces femmes-là, c'était des leçons à la fois de courage et d'amour. Et j'avais beaucoup de tendresse pour ces femmes-là. Donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire de cette femme. C'est une chanson qui a un prisme très large, c'est-à-dire qu'elle monte. Ça n'a pas facile à dire. L'idée, est-ce que c'est à partir du chorus on se dit que ça... Je pense que le chorus, faut les faire monter, tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que, bah, oui, ah, c'est genre tu donnes un petit truc et puis y a rien derrière. C'est là que je sens. Est-ce que c'est pas dû au fait que chaque partie, parfois, est un peu trop longue? Je veux, sans vouloir m'acharner, mais je trouve que le couplet, il est répété beaucoup de fois. Est-ce qu'on peut pas faire? On est à la fin de la journée. Là, vous êtes dur entre vous. Là, vous pensez que c'est... Mais en fait, ça sonne bien. Ça fait 30 minutes qu'on joue la même pièce. Faut pas oublier ça. J'ai eu le sentiment, et ça, c'était une vraie émotion, la première fois que je l'ai senti, que les gens écoutaient les paroles. Parce que c'est rare que les gens écoutent les paroles. Finalement, ils sont touchés par la musique. C'est toujours un peu dance, un peu, parce que nous, on est des spécialistes de raconter des choses tristes ou des choses blues avec un rythme qui fait bouger le bas du dos et qui fait qu'on oublie la gravité des choses, on oublie. Mais on n'oublie pas, et c'est là. Et c'est au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois que les gens eux-mêmes s'approprient les paroles et puis qu'ils les connaissent. Mais là, la première fois que je l'ai chanté, il y avait les gens en face de moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une espèce d'écoute religieuse sur le texte et que tout le monde dans sa vie avait connu une Thomaline. C'est un morceau dont le thème m'a touché et les harmonies, je les ai trouvées vraiment, et l'arrangement derrière, voilà, d'une classe implacable. Depuis la toute première version que j'ai entendue, c'est un morceau qui m'a, j'ai envie de dire, toujours suivi. La voix de Marie-Josée Ali aussi sur ce titre est juste magnifique, donc ouais. Quand j'ai appris que les musiciens avaient choisi cette chanson-là, j'étais fière. Il y a une petite voix en moi qui s'est dit, oh, je vais encore me fader caresser moi. Franchement, j'ai pensé ça. Quand il m'a dit Thomaline, j'ai dit yes! Parce que j'avais, dans cette chanson, j'ai même mis quelque chose de particulier. Je me suis dit, ah ouais, mais de toute façon, les musiciens de chez nous, c'est les meilleurs du monde. Thank you.
La Mossoa, en plus, c'est génial. Eh, franchement, mon cœur. C'est trop intense. Eh, c'est génial. Ça donne envie de monter sur scène avec vous, quoi. Ah non, Mossoa belle, Mossoa belle. Je sais pas, moi, faites un CD. Mais t'es quand ça t'en bâche, et puis faites un CD avec tous les morceaux que vous avez revisités. Non mais ça vaut le coup, hein. Il faut être imbécile pour pas kiffer, hein. Je suis très honorée en plus. Tu fais ton petit morceau longtemps, quoi, avec ton cœur, avec tes tripes et tout, et puis après les gens te le restituent comme ils te restituent l'univers. Bah, elle est belle. Moi là, dans t'es quoi, ma café, moi, elle est là quand on est. C'est génial. Eh, vous me donnez du bonheur. Dans un esprit de partage, de famille, un esprit qui est chaleureux. C'est pas juste le soleil qui nous tape sur la peau, mais aussi cet esprit de convivialité et puis de familiarité pour moi, parce que j'aime vraiment ce genre d'ambiance et puis on s'y trouve. Et puis c'est tout mon état d'esprit. Comme tu peux voir, je suis dans un état multiple. Là, c'est le troisième jour, donc on se connaissait déjà tous, mais là maintenant on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que là on se pose même plus de questions, on sait que chaque élément, chaque entité que nous sommes ramène quelque chose, une bonne énergie, et du coup on se prend même pas la tête, quoi. Chacun ramène des idées, on essaie de construire intelligemment et ça donne ce que vous venez d'entendre. Donc honnêtement, Comaline, moi personnellement, c'est un des titres qui m'affectionne, et là de voir la tournure, je suis pas étonné en fait. Pourquoi on ne joue pas la pièce qu'on connaît tous puis qu'on a joué ensemble? À distance, c'est vrai. Mais là, ça va sonner complètement différent parce qu'on est là. Pourquoi on ne la joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que cette version-là qu'on a fait ça, c'est ça? C'est... Ouais, je sais pas. Ensemble, ça va groover plus, ça va être plus sauvage. Honnêtement, Mi Belle Jaune n'est pas dans la liste, donc est-ce qu'on l'intègre dans les 6 morceaux définitifs? Est-ce qu'on en fait un medley avec Haïti, puisque c'est Alain Jean-Marie aussi? Alain Jean-Marie aussi, c'est une carrière extraordinaire, mais en même temps, c'est un homme d'une pondération extraordinaire. Alain ne parle pas beaucoup, Alain joue. Alain ne crie pas, Alain s'exprime. Alain développe, Alain c'est un précurseur. Alain Jean-Marie, c'est la Biguine avec cette touche de modernité dont elle avait besoin pour poursuivre son évolution. Alain a toujours été un pianiste prolifique, extraordinaire. C'est un ami de toujours. On dirait que je suis né avec Alain Jean-Marie. On a commencé à faire de la musique ensemble. On jouait tous les soirs. À la Martinique, il y avait de la musique tous les soirs. Nous, on jouait, on finissait au Diamant, mettant à 11h. On trouvait le chemin pour aller à Fort-de-France, pour aller au Mars Club, pour faire le bœuf jusqu'à l'aube. Il devait jouer avec nous, en fait, à l'époque, c'est les années 65, 66. Il n'a pas pu venir avec nous parce qu'il était à l'armée à l'époque. Et le camion militaire, il y a eu un accident et Alain était dans le coma pendant quelque temps.
Et ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, il n'a pas pu voyager avec nous. Donc, c'est le frère de Poto qui est venu jouer le piano avec nous. Mais on a toujours su qu'il y avait une étoile brillante quelque part qui s'appelait Alain Jean-Marie. Si on doit aller dans un truc pop, même sur Mi Belle Journée, ça veut dire qu'il faut aussi... Il faut changer quelque chose. Moi, j'ai pas peur de surprendre les gens si on doit jouer le truc. Les gens, ils ont vu comment on a joué. Les gens, ils vont entendre l'intro, ils vont penser que c'est une big hit. Eh ben non, non, ça sera autre chose. Ouais, c'est ça. Non, désolé. 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 Tu rentres un par un, le morceau se construit et à la fin tu ressors un par un. Bah, il commence seul et après on remet un dernier coup de punch. Du coup il démarre et nous on vient progressivement derrière. Exactement. Ça se passe tellement naturellement, c'est très fluide. Il y a beaucoup d'idées qui fusent dans tous les sens et on fait juste que essayer de faire en sorte que les différents ingrédients prennent. Et en général, ça prend assez rapidement. C'est cool. Là, vraiment, on vient avec un répertoire, mais on n'a pas d'arrangements qui sont... que les gens arrivent avec leur partition et puis disent « Hey, toi, tu vas jouer ça, toi, tu vas jouer ça. » Il n'y a pas de truc comme ça. Non. On s'échange des idées et puis on commence à jouer, on commence à partager la musique. Et puis c'est comme ça qu'on travaille. Au fond, on travaille vraiment collectivement. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas une personne qui est le maestro. On est tous des maestros de toute manière. Il y a une belle énergie, quoi. Donc on est bien. On est vraiment bien. Sonny, on cut et on repart. OK? Yes. Ouais, voilà. Occupez-vous pas de nous. Parce que nous, on va dans un délire. Vous êtes là-dedans, restez là-dedans. C'était parfait, quoi. Sinon, on va aller. On y va. The term wicked. Wicked, yeah. You guys are wicked, yeah. I love it. Thank you. Ok, c'est vous qui transformez le monde. Vous avez le pouvoir. Merci. Merci beaucoup.
Mona est arrivé à Marigot, il a trouvé des frères qu'il recherchait, une situation familiale qu'il recherchait. Quand il est arrivé, on pensait même qu'il était originaire de la commune. Il s'est intégré, mais à 100% et très vite. On s'étonnait de voir un gars comme ça arriver avec une voix pareille. Que effectivement sans travail on n'a rien. On a beau avoir du talent, si on ne travaille pas vous serez comme tout monsieur tout le monde. Il faut travailler, continuellement travailler, c'est avec le travail qu'on arrive. Moi je suis parti de rien. À 15 ans je savais ni lire ni écrire, ni la musique ni rien du tout. Et à 25 ans je savais lire, écrire et déchiffrer une partition. Quand on entend le tambour, ça fait vibrer le corps et l'esprit même qui est dans le corps, il commence à animer le corps d'une autre manière. Il faudra bien un jour qu'on puisse vivre dans la Martinique avec les produits qu'on a. On avait une vision politique. Il avait l'œil sur tout. Sur tout. D'ailleurs, dans ses chansons, les différents textes, ça parlait de quelque chose, de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle et de la vie religieuse aussi, parce que n'oublions pas qu'il était très, très religieux, très, très croyant. En dehors de la question de la flûte et du rythme, Eugène Mona, il a apporté ça, d'exprimer, de faire sortir ce cri de sa vie réelle, quoi. Ce que je compose, la mélodie est au-dessus de tout et est très importante. Donc la mélodie de La Chandelle, elle reste dans la tête. C'est fort, quoi. J'ai pu reprendre ce titre-là de Eugène Mona. Et quand on m'a proposé de le reprendre, c'est un titre que je ne connaissais pas. Quand je l'ai découvert, j'ai eu quelques appréhensions pour le reprendre, mais avec la grâce, j'ai pu faire quelques recherches pour mieux comprendre la chanson, le contexte dans lequel il avait écrit, parler à des gens qui étaient là avec lui quand il l'a écrite, et puis j'ai pu me l'approprier justement. Moi, comme j'aime dire, c'est une chanson qui m'a ouvert la porte au cœur de tous les Martiniquais. En fait, ma réflexion, ça a été au début de me dire « Waouh, mais je ne peux pas reprendre du Maître Mona, ce serait dénaturé. » Et puis après, je me suis rendu compte que ça a permis de faire, justement, de continuer de faire vivre son œuvre. Je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, c'est une légende. Et puis le travail qu'il a laissé pour nous, pour qu'on puisse se baigner là-dedans, c'est infini, quoi. Tu vois ce truc-là? Moi, je pense que ça doit arriver à un endroit précis, je ne sais pas où, pour que nous, Sony et moi, tu vois, on vous suit et on marque le truc. Tout à l'heure, j'avais fait un truc. Moi, j'avais fait un truc. Voilà, c'est Eugène Mona, quoi. Incontournable, on ne pouvait pas faire un hommage à la musique antillaise sans lui, sans ses œuvres.
on a choisi celle-là et je crois que le résultat est plutôt cool. Alors nous sommes le 7e jour, ça se passe super. Le côté international. Faut pas essayer, je pense, hein, qu'il faut pas qu'on essaie de limiter le truc au Caraïbes, quoi. Il faut penser. On était en mode fatigué, il fallait absolument qu'on trouve le titre international qu'il fallait, qu'on voulait bosser. Le morceau international, on le met en begin. On le begin ou on le zoop? On le begin. On le begin, c'est un sale délire. Ça change tout. On va procéder autrement. Quel style de base on souhaiterait réarranger? Rock, funk, soul? Parce qu'on peut faire aussi du James Brown. Hein. Yes, ça peut être un autre. Hein. Mais je pense que la passerelle, c'est déjà le bon choix du morceau. Oui. Et que du coup, t'es pas obligé d'avoir une autre passerelle funky ou rythme. En fait, si ton morceau lui-même, il est déjà quelque chose qu'on connaît. Oui, bien sûr. C'est bon, tu mets ce que tu veux, mais c'est déjà une passerelle en fait. Le niveau stylistique, c'est comme déjà ce qu'on a fait là, c'est en fait aller vers les opposés. C'est dur. J'ai Harmony, ils n'ont pas fait tout un album sur les Beatles. Oui. Dans le moment de désespoir où on se dit bon, finalement on va attendre tout ça et puis paf, il y a la lumière qui paraît et puis oui, c'est ce titre là et je crois que c'est Thilo qui a couru derrière sa batterie et puis c'est parti quoi et on a trouvé le titre, on l'a fait quoi. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, t'as, hop, instrument, bam, on sait où l'un va aller, on va le suivre. Ah mais là frère, le truc là, et moi. On commence tous à ressentir tous les effets d'un boulot assez intense de composition, de création, tous les échanges qu'on peut avoir avant et après les répétitions aussi. On vit vraiment ensemble en fait, quasiment. Ce qui fait qu'il y a une dépense d'énergie assez importante, c'est quelque chose qui est physiquement dur dans certains moments, mais comme on s'entend tous hyper bien et que c'est hyper fluide entre nous, au niveau des échanges musicaux comme des échanges humains, ça passe crème. Marius Cloutier, c'est le premier pianiste, à mon sens, qui a marqué la modernité du piano antillais. C'est le premier. C'était un homme qui, j'ai envie de dire, qui marchait sur la lune, en quelque part, parce qu'il était tellement grand dans sa dimension. Moi, j'étais tout petit, ma maman était dit, moi. Faut que faire attention si vous parlez malheureux. Mais il m'a tellement grand homme. Je ne vais pas écouter conseil. Vous comprenez? Le Marius Cloutier a 14 ans, il joue avec des musiciens qui ont 20, 25, 30 ans. Et il était déjà dans cette transmission lorsqu'il est parti au Canada. Les gamins qu'il a emmenés avec lui, c'était des jeunes
de 16-17 ans, les Ruff Tamar, les Alex Bernard et compagnie, les Denis Dantin. Il y a des musiciens professionnels en Martinique qui ne soient pas laissés là comme laissés pour compte. Je veux dire, c'est, je sais pas, je n'en veux à personne, mais il est temps que ça finisse, et ça finira, d'une façon ou d'une autre. Il a transmis à ces jeunes-là cet amour de la musique et cet amour du pays, parce que quel que soit ce qu'ils jouent, ils reviennent à leurs racines. Il a fait une quantité de choses absolument impressionnantes, et puis je me souviens au moment où de sa mort commence à, si vous voulez, ça a secoué tout le monde. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a apporté une dimension extraordinaire et nouvelle à la musique, à la musique en général, et puis pour les pianistes en général. Il a vraiment fait le pianiste que je suis aujourd'hui. C'est sans doute le premier contact que j'ai eu avec le piano jazz dans mon évolution depuis tout jeune. Il avait une manière de jouer, il se mettait toujours de travers, de côté. Et puis il regardait souvent, il jouait sans regarder, il regardait son auditoire, mais il regardait pas le piano. Si maman est madame haute canaillé, moi l'eau dis-moi qui laisse au caille sauver. En caille sauver, maman moi. Qui te femme l'année en bas de là, m'en peut trouver d'autres femmes. Mais on ne peut pas trouver d'autres mamans encore. Miles Davis, le grand Miles, l'a vu et il a dit, mais ce garçon n'a pas besoin de lire, il est doué. J'adore la fleur parce que je suis oiseau. Alors je voulais simplement dire que finalement, j'aurais souhaité trouver beaucoup de fleurs. La fleur étant le symbole de ma liberté. Concerto est un air très connu que j'ai eu l'occasion de jouer dans sa forme traditionnelle, mais c'est un morceau que j'ai eu l'opportunité d'interpréter à plusieurs reprises. J'apprécie déjà l'initiative de M. Boutan de vouloir retravailler le morceau. Pour moi, c'est intemporel ce genre de morceau. Ça va traverser le temps sans souci. Ce titre-là s'imposait dans la liste qu'on a eue. Il s'agit d'une ode en fait sur la nature. Mon père parlait beaucoup d'amour. C'est une histoire d'amour entre une fleur et un oiseau. C'était pratiquement logique pour moi de choisir ce morceau parce que déjà ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu et que ça me rappelle de très bons souvenirs d'enfance en fait. L'idée de la restitution de ce morceau me paraît une idée extraordinaire. Dans la mesure où c'est un morceau qu'on entend beaucoup, mais surtout dans sa version originale parce que personne n'ose toucher à ce qu'a fait Marius Cultier. La chose était tellement surprenante pour nous, Martiniquais, qui vivions, qui connaissaient ces Biguine, ces Mazurka, ces Guacanco, ces Latinos, comme ils disaient. Et puis ce morceau-là qui est sorti en 83, dans un concours à l'échelon national. Là, nous sommes en 1982. Un Martiniquais, connu certainement ici, dans la Caraïbe, très peu en France, se présente à ce fameux concours. Il remporte le premier prix. Ça a été une espèce de, pour nous, Martiniquais, une espèce de choc, parce qu'il était sorti de son milieu naturel. Et puis d'aller chercher une inconnue. Parce qu'il y avait des chanteuses, il chantait avec Célia, il y avait Lola Martin, il y avait du monde. Il est allé chercher cette jeune femme qui est devenue ce qu'elle est. Je crois que ce morceau a été le départ de beaucoup de choses. C'est tout simplement un coup de fil. Marius Cultier avait besoin de quelqu'un pour interpréter sa chanson. Donc il m'a appelée et je me suis retrouvée à défendre en fait cette chanson au concours de la chanson d'Outre-mer. J'étais étonnée que Marius Cultier m'appelle parce que Marius Cultier c'était quand même un nom dans la musique chez nous. C'était un pianiste que beaucoup de musiciens admiraient.
Il revenait du Canada, il avait un magasin de musique à Fort-de-France parce que bon, vivre uniquement de la musique ici en Martinique à cette époque-là, c'était quasiment impossible. Donc il fallait avoir autre chose. Donc il avait un magasin de musique, mais on ne vend pas de piano tous les jours. Donc il faisait le bœuf souvent avec les copains, les frères Bernard, etc., Jacques et Alpha, etc. Les gens passaient en douce chez lui faire de la musique. Et donc c'était pour moi une espèce de rêve, quoi. Parce que c'était un grand pianiste de jazz, machin, Nina. Et quand il vous appelle, ben, d'abord vous êtes flatté. J'étais très intimidée parce que défendre une chanson, ce n'était pas un concours où je défendais ma personne, mais je défendais la chanson de quelqu'un. Donc il fallait que je sois à la hauteur. Quand j'ai fait écouter à ma mère, ma maman m'a donné, elle m'a carrément rassurée. Elle m'a dit, mais c'est très joli, on dirait un petit oiseau qui tourne autour. Donc j'y ai mis tout mon cœur et ça a fonctionné. Donc en Martinique, elle a été finaliste et à Paris, ça a été l'ovation. Voilà. Et si vous t'êtes bien remarqué, vous t'êtes bien tout pétard, moi qu'à tomber, vous bitinez le clé qui m'a obligé à attendre la prochaine rosée. Et si vous t'êtes bien remarqué, vous t'êtes bien tout pétard, moi qu'à tomber, vous bitinez le clé qui m'a obligé à attendre la prochaine rosée. Je sais que j'ai traversé des choses et que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir connu ça. Et je souhaite ça à tous les musiciens, quoi. Pour le concerto, je n'ai fait que défendre cette chanson. Je suis comme vous. Voilà, la chanson, c'est Marius Cultier. Voilà. Quand ça commence à monter, là, machin, j'avais envie d'exploser. Je voulais que ça explose. Voilà. Définitivement. Mais moi aussi, je vous aime. Avec tout notre amour. Merci d'être là. Ah ouais, c'était beau. C'était beau. Merci en tout cas. Mais le moment où ça explose, ça te donne de la force, quoi. C'est guerrier. Avoir le don d'amener les gens là, c'est... En fait, on ne savait pas à quoi s'attendre. Tu vois, on ne peut pas dire que, ah ouais, on le savait, on arrive, ouais, on va arriver, on va kiffer, puis ça va... On savait qu'on allait kiffer, mais on ne savait pas comment. On savait que ça allait sonner bien, mais on ne savait pas comment. Tu vois, mais là, c'est presque le jour de l'accouchement, et puis on est bien en phase, on se sent super tranquille, on respire. Parce que là, les morceaux, on a les structures, on sait tous ce qu'on a à faire. Deuxième titre, c'est pour Meg. Ludo Maher. Attends. C'est pas mec. Et après on va sur le thème 2 une nouvelle fois. Voilà. Le riff 2, pardon. Qu'est-ce qu'on appelle le riff 2 ? Faut se mettre d'accord. Chantez-le, ça. Merci. Ce qui est bien, c'est de savoir qui fait des solos pour qu'on puisse tous aussi s'exprimer parce que c'est important. Bon, on reste sur le bridge, puis là, ça va partir dans les solos pour l'instant. Le fait de faire monter le truc sur ton solo, que toi, t'arrives après, quand on est là, avec solo de guitare rock, t'amènes le climax, quoi. Est-ce que délimiter, justement, les solos harmoniquement serait pas peut-être la solution? J'aimerais que cette semaine ne se termine jamais. Mm-hmm.
rapport au concert, j'ai de l'excitation beaucoup. C'est un répertoire tout neuf qu'on va jouer, un répertoire de titres réarrangés, donc forcément les gens vont nous attendre au tournant. Nous sommes là aussi pour délivrer un message, et ça c'est important. On n'est pas là juste pour jouer et pour flatter notre ego de musicien ou d'artiste. On est là aussi, je trouve, notre mission aujourd'hui, c'est de délivrer des messages forts. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir. Déjà, peut-être aussi, tu sais, le côté peut-être surprise des gens. Et la fleur et l'oiseau. Mesdames et messieurs, le Begin Jazz Collective. La musique permet de rêver. Si on ne sait pas le faire, il suffit de fermer peut-être ses yeux 5 minutes. En tout cas, se laisser emporter là où elle vous amène. Parce qu'elle peut vous amener très loin, jusqu'à l'extase. Je vous propose ce rêve là, maintenant. C'est du talent en Martinique et en Guadeloupe. On s'est vraiment rapprochés ici en tant que frères et puis on a vraiment avancé ensemble. Cette semaine fut une semaine de privilèges et puis aussi vraiment bénie. Je suis sûr que ça va se passer parce qu'on est motivé et qu'on fait tout, absolument tout, avec beaucoup de sincérité. Et je crois que le public se trompe jamais. Quand c'est fait vraiment avec tout le cœur, il le voit et la musique passe d'elle-même. Merci de nous avoir réunis un milliard de fois parce que c'est vraiment plaisant. Maximum respect, vraiment. Je crois qu'ils réussissent petit à petit à rendre la Martinique plus visible et à ce que sa musique soit écoutée et respectée. Longue vie au Begin Jazz. C'est un truc qui est ouvert. C'est un truc justement pour ouvrir une voie. Cette voie-là, elle ira où? On ne le sait pas. Mais on sait qu'elle ira à un endroit merveilleux. Ça, on le sait. Je suis fière, heureuse et contente de voir que, encore une fois, on constate qu'on a du talent chez nous.